Et boum, la séquence 2, on est parti. C'est prêt, le jeu vidéo. Mike, tu vas nous parler de ça, mais avant ça, un petit extrait. C'est parti. Peggy 18. What the hell have you done? Hello, Morgan. Hello, Morgan. Tough day, right? If I'm talking to myself, it must be. We've been testing a new kind of neuromod based on the Typhon organisms. You've seen what those creatures can do. Once testing starts, there's no going back. Take your time, relax, think it over. No, I'm kidding. You only have 9 seconds. Warning. This is a station-wide emergency. If just one of those creatures gets back to Earth, we're lost. The tests, they changed you. I'm sorry. I wish there was another way. Nothing can survive. Whenever you're ready, Morgan. Pour commencer, est-ce que Half-Life, ça vous dit quelque chose? Oui, qui n'est pas au courant de alors, ce que c'est. Si vous avez aimé Half-Life, ce jeu est fait pour vous. C'est pour moi, clairement okay. Dans la même trame. En gros, ouais. Votre héros ou héroïne, vous pouvez choisir si vous jouez à personne. Les développeurs du jeu ont quelque chose à voir avec Half-Life ou non, du tout. Du tout. Mais c'est ils des ont fans. Vraiment, ouais, à mon avis, c'est des fans et ils ont vraiment repris le concept. C'est déjà du une jeu. Licence qui a déjà quelques années, oui. Half-Life, je ne sais pas quelle année on dire exactement. Mais pour Prey, je veux dire, c'est pas tout neuf aussi. Hein, non, en fait, ici, c'est un reboot parce qu'on avait parlé pendant tout un temps. Qu'est-ce qui n'est pas un reboot à notre époque? Et comme Bethesda a racheté les droits de Prey, ils ont, plutôt que de sortir le 2, ils ont refait un reboot, tout simplement. Qui n'a rien à voir avec celui d'origine. Okay, ouais, qui n'a rien à voir. C'est ça. Donc ici, vous vous réveillez sur une station spatiale qui est en orbite autour de la Lune. Et c'est la merde sur cette station spatiale, à savoir qu'elle est envahie par une foule d'extraterrestres. Quelle couleur? Ils sont, en fait, c'est des espèces de créatures fantomatiques noires. Qui sont très rapides, qui sont très violentes pour certaines. Pas là pour rire. Non, c'est pas là pour rire. Le jeu est très difficile. Vraiment, au niveau des combats, le jeu est. On est quoi? On est plutôt dans un jeu survival horror ou... On est seul avec soi-même dans l'espace. C'est plutôt un thriller. C'est un peu claustro ou. Non, pas vraiment. On n'est pas dans du Dead Space. C'est pas un Dead Space du tout. C'est pas dans ce style-là. C'est plus un thriller en fait. Ouais. Où vous essayez de découvrir ce qui s'est réellement passé sur la station. Tu sais pourquoi tu as été là? Tu as été envoyé en mission? En fait, on joue un rat de laboratoire. D'accord, il y a des expériences sur singe de l'espace. C'est ça, c'est un singe de l'espace. D'accord, ouais. On fait des expériences sur vous, sur cette station, et un jour vous vous réveillez et c'est le bordel sur la station. D'accord. Donc donc au fil de l'aventure, vous allez débloquer les armes. Vous avez un système de RPG, à savoir d'accord, que vous avez plusieurs leveling, compétences. Tu montes ton niveau. Vous pouvez monter des niveaux dans certaines compétences. Si tu refais le jeu, tu n'es peut-être pas bloqué dans le même. C'est-à-dire qu'en fait, justement, c'est ça qu'il y a de bien, c'est que la station en elle-même est véritablement tentaculaire. D'accord, ouais. Et on peut passer par des endroits totalement différents à chaque fois qu'on y joue. Si tu pars à gauche ou à droite, il n'y a pas vraiment un niveau. Ça ne va pas être plus haut niveau du côté gauche, je vais dire, que du côté non, droit. Non, c'est ça. En fait, au début de l'histoire, tu peux vraiment. T'as de la liberté. Il y a du début à la fin, en fait. Il y a vraiment la liberté de passage de choisir son chemin. Alors, il y a certaines missions, certains points de passage où il faut obligatoirement aller chercher des passes pour ouvrir telle ou telle porte. D'accord. Mais pour le reste, l'exploration est véritablement libre. Pour le joueur. Donc c'est parfaitement jouable. En fait. C'est parfaitement jouable. Surtout que, il y a certaines pièces, par exemple, qui vont être bloquées par des passes ou par du hacking. Mm-hmm.
ou par des caisses. Donc, c'est à savoir que quand vous débloquez vos compétences, d'accord, vous pouvez choisir soit le hacking, soit votre force physique, le fait de vous soigner plus correctement, ainsi de suite. À terme, je veux dire, à la fin du jeu, est-ce que tu n'es pas un peu genre full dans toutes ces compétences? Je ne suis pas encore allé jusqu'à la fin du jeu, donc je ne saurais pas vous dire exactement, mais on trouve assez régulièrement effectivement des points de compétence. En fait, ils appellent ça des neuromodes. D'accord. C'est une machine que l'on s'implante et qui permet de gagner ces fameuses capacités. Évolution génétique. Voilà, c'est ça. Point de vue des extraterrestres, ce qui est assez sympa au niveau du gameplay, c'est que certains d'entre eux ont la capacité de mimétisme. En fait, ils peuvent se transformer en objet. Mimique. C'est ça, c'est les mimiques. Tu passes à côté c'est d'un frigo et boum. En gros, c'est ça. C'est, on peut passer à côté d'un frigo. Bordel de merde, je vais me prendre un petit coca, ça va me faire du bien. Ben non. Ça vous saute à la gorge. D'accord. Et c'est pas sympa. Donc voilà, mais il y a moyen de. C'est non, enfin, il y en a beaucoup dans le jeu. Il y a beaucoup de frigos qui t'attaquent. Tu te fais attaquer tout le temps par des frigos. Tout le temps, ça va devenir parano, à se dire tiens, quel objet va me sauter dessus. Donc, c'est assez. Donc c'est voilà, il y a qui prend quand même un beach. Ça prend quand même au trip. Pas de multi, c'est du pur solo. C'est du pur solo. C'est du pur solo. Donc oui, ça prend effectivement au trip. Et Globalement, c'est assez long au niveau. T'en as pour ton argent, je veux dire. T'as une belle durée de vie. Non, il y a une belle durée de vie. Graphiquement, gameplay, comme le jeu est renouvelable et rejouable. Du fait des compétences, ça permet, quand on recommence la partie, de passer par d'autres endroits par lesquels on n'était pas passé. Nickel, nickel. Tu vas l'essayer, Nico? Oui, ça a l'air de... Voilà, déjà, Half-Life, c'est vendeur. Tu penses que ça va cartonner? La combinaison, la clé, les expériences, les extraterrestres, c'est du Half-Life. Ça va marcher. Donc, voilà. Ça va je marcher. Pense que ça aura son petit succès,